Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Toi, tu sais le faire bien. Ça, ça va. Okay, ça, je me souviens. Aujourd'hui, on est au Tesla Center de Plaisance-du-Touche parce qu'un abonné nous a demandé de l'accompagner pour la livraison de sa licorne. Bon, j'ai pas demandé, mais je suppose que c'est une licorne. C'est une licorne. Voilà. Oh là là. Donc, pour rappel, licorne, c'est livraison avec les nouvelles batteries 60 kW et la motorisation qui va bien. De la perf. Voilà. Et du coup, bah, on va vous présenter la livraison, on va voir la qualité de tout ça, on fera une petite interview de Thomas, puisque c'est Thomas. Et ben, bah, on va aller voir tout ça. Oui. Allez, c'est parti. Bonjour Thomas, bah, je te laisse te présenter. Thomas, Toulousain, surtout du sud-ouest, 27 ans, ingénieur logiciel dans une grosse société de service. Française. T'es encore un informaticien, bizarrement. Voilà. Les informaticiens aiment bien les Tesla. Mmh. Ah, c'est techno. Mais oui. Bah. Moi, je parle pour moi aussi, hein, mais. Bon, du coup, nouveau possesseur d'une Tesla SR Plus noire, licorne. Pourquoi Tesla? Ben, j'ai essayé plusieurs modèles électriques. Donc, il y avait le souhait à la base de passer sur l'électrique de par toutes les aides qu'il y a encore aujourd'hui qui vont petit à petit, peut-être pas disparaître, mais qui vont se réduire dans les prochains mois, disons. J'ai essayé donc, du Kia EV6 Niro. J'ai essayé aussi la ID3 chez Volkswagen. La ID3 chez Volkswagen est abonné de commentaires. Je ne dirai rien, ne me relance pas sur cette magnifique voiture. Et j'ai détesté. Ah, bienvenue au club. J'ai vraiment détesté. C'est ça, ça, l'intérieur fait. Enfin, il y a de la place, on sent qu'on a l'impression, ça donne l'impression d'espace, mais ça fait vraiment très cheap. Quoi. Merci. Je l'ai pas briefé avant, je précise. Ah non, pas du tout avant. C'est l'impression que j'ai eue aussi en l'essayant. J'ai pas du tout aimé. Donc avant j'avais une voiture bon pas très grosse mais avec quand même volume de coffre sympa, enfin, pour partir à 4 en vacances c'était bien. Et la ID3 c'était vraiment un coffre vraiment ridicule quoi. Tout à fait. Alors que là, la Model 3, ça a beau être une malle, le coffre est immense quoi. Donc il y a ça, après donc, je suis venu l'essayer. Et puis j'ai retrouvé un peu, alors c'est peut-être à qui ça va pas plaire que je dis ça, mais les sensations, enfin la position de conduite, la direction, hein, pas mal de trucs que je retrouvais dans le comportement de ma Peugeot. Après bon, il y a l'électrique voilà, ça faisait un moment que je suivais Tesla, j'osais pas trop sauter le pas, enfin déjà sur le point de vue financier c'était pas encore ça. Mais là c'est bon, c'était. Ça suffit d'un essai en fait. Beaucoup de gens. Ça, en fait. Faut jamais aller l'essayer parce qu'après c'est mort. C'est un piège. Un pouce en l'air de la banque et puis en avant. Super. Voilà, le banquier il a mis un pouce bleu et du coup c'est bon. Bon, du coup, livraison aujourd'hui. C'est ça. Commandé fin octobre, je crois. Ok. Un bon suivi de la part de Thomas à Tesla à Plaisance. Du coup, petit retard de livraison, si on a bien compris, c'est une, ça. Semaine. Ouais, une semaine. Ouais, une semaine. Là-bas, je vais être livré samedi dernier. Alors là, on m'avait prévenu déjà suffisamment à l'avance. On m'a averti il y a trois semaines avant que ça serait déjà retardé à mercredi. Et malheureusement, mardi matin, on m'a dit qu'il y avait du retard. Donc, c'était pas mercredi que je l'aurais, mais samedi. Ok, et du coup, de ce qu'il nous a expliqué, a priori, c'est les bateaux qui ont eu des retards, et du coup, fatalement, livraison en retard. Et puis, derrière, même au niveau des transporteurs, une fois que ça arrive en Europe, apparemment, même les transports, les camions, il y a eu des retards. C'est pas la meilleure période, je suppose, Noël, en plus, pour fréter les transports et tout ça, donc, surtout en ce moment. Vu pas que les transports, la poste, c'est pareil. Oui. La SNCF, big up. Finalement, ils grèvent pas. Ils grèvent pas. Ah, ok, ça va. Donc, on va pouvoir prendre le train. Oui. Donc, c'est une SR Plus licorne. Magnifique SR Plus noir avec intérieur noir. Alors, c'est quoi? Elle est vraiment magnifique. Non, si, c'est la saleté là. Bon, du coup, inspection du véhicule. Ah bah oui, hein, là on regarde comme tout le monde, hein, sous toutes les coutures.
pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut, histoire de le signaler en direct si c'est le cas. On peut te louer pour les livraisons de Tesla ou... Non, je le fais très gentiment pour les gens qui demandent et qui sont sur Toulouse. Oui, plutôt, parce que c'est... Il y a des petites traces d'eau, en fait, tout ça, machin, mais après, voilà, il fait froid, il y a un peu de gelée et tout ça, donc c'est normal qu'il y ait des petites traces d'eau, mais du coup, on vérifie que ce soit bien une trace d'eau. Vous voulez l'ouvrir, automatiquement. Vous appuyez dessus, ça s'ouvre. On n'a pas de griffure sur les aéros. Du coup, ça... Non, j'ai mes lunettes. Mais mes lunettes de vue, c'est mieux. Tu sors les lunettes. Toi. Ah, là, c'est un peu cliché. Qu'est-ce qu'il y a? Là. Ah, il y a une petite trace. Ouais. C'est peut-être en montant dedans, je sais pas, non? Ah, non. Ah, attends. Ah, si elle part. Faut bien regarder. Ça, les... ça arrive, des fois, c'est un peu blanchi et tout ça. Faut vérifier parce que nous, on a une trace comme ça sur le tableau de bord et il est jamais parti. Hein. Faut vérifier la console centrale aussi, parce que je sais qu'il y a plein de scotch dessus. Aussi, ouais. Non mais le siège, ça va, il n'y a pas de. Il n'y a pas de plis, de machin, de truc. Allez. Par contre Thomas, petite info du coup qu'on vient de voir avec le Tesla Advisor, il faut que tu reviennes pour. Enfin il faudra que tu. Non, Tesla va te contacter pour activer la charge à induction puisqu'elle n'est pas active. Alors, c'est pas la charge à induction en fait, il y a un rétrofit à faire. Il manque effectivement la charge à induction et les ports USB à devant. Donc derrière sont actifs a priori. On va les tester d'ailleurs puisqu'on a ce qu'il faut pour les tester. Donc petit rétrofit à faire. Et oui, il a une licorne mais elle n'est pas tout à fait finie, elle s'en finit. Elle n'est pas complète. C'est une licorne sans corne. C'est ça. Exactement. Alors ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Rétroéclairage du volant, on a ça, non? Ben si, c'est les lumières autour des molettes. C'est juste ça. Je sais même pas si on l'a, ça. Si, on l'a. Si. Oui. Bon. Tu la connais bien, ta Tesla, toi? Non, bah alors pas là-dessus. Ça, c'est des détails, quoi. Alors, je vais juste finir, tu sais quoi? Je vais juste finir de vérifier les plastiques à l'arrière. Oh, qu'est-ce que c'est que ce... Attends. Ouais, il colle un peu le joint, là. Ben c'est normal, il fait froid. Il fait froid, donc ça colle. Bien placé quand même. C'est le concept. Non, ça va. Il y a les ports USB à l'arrière, donc? Ouais, il faudra aller chercher les câbles pour les tester. Il y a les prises, ils sont là. Il y a des prises. Déjà, t'as pas que des trous, quoi. Voilà. Si t'es un long fil, ça doit passer pour charger quand t'es devant. Ouais, je pense. Hein. Ouais, mais bon. Après, franchement, niveau intérieur, finition, elle est très très propre. Je trouve. Je regarde les... Je regarde tout, vas-y. C'est toi la vérifieuse en chef? Non mais ça va. Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de... Franchement sur ces versions chinoises là, les finitions c'est ultra propre. Ouais, franchement ça va. Il n'y a pas de... Même sur les montants et compagnie. Pareil au niveau des jointures pour le coffre, c'est ultra propre. Là aussi. Donc, évidemment, il y a toujours le pack qui va bien avec le chargeur. On a la prise qui est fournie dessous aussi pour les bornes. Attention. Et oui, on veut être sûr que ça fonctionne aussi, comme ça si jamais il y a souci. Mais on pourra le déclarer directement. Hein. Alors oui, attends, c'est celui-là dans rétrofit. Ça. Ouais. T'es sûr de toi? Non. Fais voir. Non, c'est pas le bon, c'est l'autre. C'est celui-là? Et oui. Ben oui, c'est ce que je te dis. Allez. T'inquiète, après je ne sais pas quand j'arrive. Je ferai pas de bêtises. Attends, c'est qu'après faut que je trouve mon téléphone. T'as un sac de filles, toi, non? Ouais. Ah. Alors? Ouais, c'est bon. Ça marche! Super. Parfait. Alors, en fait, là. Ah, mais t'as raison. Ah oui. C'est parce que c'est au soleil. Non, mais tu vois, on va aller la mettre au soleil après. Alors après, il y a un truc, c'est qu'il y a plein de traces que nous, on n'a plus. Pour la bonne et simple raison, on a fait quoi? Une céramique. Voilà.
Ouais, c'est prévu aussi. Tu l'as prévu? Semaine prochaine. Sérieux? Chez qui tu vas? Je vais dans le 64, par contre. Je suis en vacances là, donc je vais pas rester sur Toulouse dans mon petit appart. Je peux aller crêcher chez les parents à la maison. Okay. Bon, mais donc ça très bon, disparu, très bon plan. Non, mais du coup, là, c'est pas utile de le faire. Sa première voiture neuve. C'est vrai? Ouais. Donc, je pense qu'elle va être polichée, bichonnée, ah, tout ça. Ah ouais. Bah, c'est là. Tu m'étonnes. C'est tu sûr, m'étonnes. Autant que possible. Il va falloir y faire attention. Là, ça m'a l'air sympa tout ça. Ouais, là voilà, c'est là qu'on voit les défauts du noir. Ah vois, bah oui, là. Tu vois, c'est la moindre petite poussière. Mais bon, après, c'est tellement beau le noir. Le rendu est bien. J'aurais bien mis des sièges rouges, je sais pas pourquoi. Arrête. Avec ton cinéma là. Bon, bilan. Écoute, d'extérieur, moi, elle me paraît vraiment. Il n'y a aucun défaut, en tout cas visible comme ça au premier coup d'œil. On n'est ni venu avec une loupe, ni venu avec un petit centimètre. Voilà. Ouais. Mais non, chouette. Chouette. Mais moi, de toute façon, j'adore les voitures noires. Donc, forcément, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À entretenir, je lui en souhaite, mais. J'avais entendu parler des nouveaux feux sur la version 2022, mais là j'ai l'impression qu'il y a le clignotant qui est juste sur la petite, ouais. Sur le petit morceau. Ouais. T'as le petit clignotant, je pense, oui. Non, mais c'est même sûr. Ah, si, tu. Les clignotants. Ah, ils sont ridicules. Ceux d'arrière, c'est. Tu sais quoi, j'hésite, moi, à en prendre là, dès que j'ai vu. Alors, je sais plus sur quel site. Les feux là, les Henshaw, sur Henshaw. Ouais, sur Henshaw, ouais, qui font comme ça, je pense. Ouais. Parce que. Mais alors, d'abord, parce que c'est joli. Ok, mais surtout parce que là je les trouve très peu visibles. Ah ouais. Et là la dernière fois j'étais à un camion, un poids lourd, hein, qui était derrière moi dans la rue où je vais au travail, qui me collait au derche parce que j'étais à 52 et qu'il aimait pas rouler à 50. Du coup il me coulait au derche. Quand j'ai mis mon clignotant pour toi à droite, il ne l'a clairement pas vu. Et du coup on s'est fait peur tous les deux, quoi. Donc moi, ouais, les clignots sont quand même ridiculement petits à l'arrière. On les voit quand même très peu pour les gens qui suivent, pour avoir déjà suivi aussi des copains du Tesla Owner en sortie. C'est pas hyper visible là, quand même. Là, j'appuie une grosse. Petit clignot. C'est ridicule, on est d'accord. Ah, c'est vrai que c'est pas... Non, mais c'est minuscule. Sur la 2008, je crois pas que ce soit beaucoup plus gros. Bon, le feu est plus petit globalement, mais ils sont pas beaucoup plus gros. Ah, ça fait du bien. Tout à fait. C'est fou. Parce que bon, c'est pas le tout, mais il fait quand même 2 degrés, quoi, aujourd'hui, ce matin, à Toulouse. Hein? Il fait un peu froid. A priori, alors là, c'est parce que t'as une mise à jour. Mais on va attendre que le Tesla Advisor revienne et mette la connectivité. Faut rien toucher tant qu'il voilà. est... Tant qu'il a... Ah oui, mais du coup, on n'a pas le GPS, donc pour expliquer, ça va être compliqué. En fait, qu'est-ce qu'il t'a fait faire tout à l'heure? Il m'a fait ajouter le téléphone en tant que clé, donc le réglage pour le profil, la création du profil, et lancer un guidage montrant. Okay. Donc sur les contrôles rapides, on a vu tout à l'heure pour les éclairages extérieurs, tu as mis un auto pour les feux de croisement. Mm-hmm. Super, les rétro, le volant, c'est réglé. La neutralisation. Tiens, d'ailleurs, puisque Camille parle de ça, t'es stressé par rapport à tes premiers pas en électrique, par rapport au fait que tu risques de tomber en panne ou pas? Beaucoup de gens sont anxieux avec ça, c'est pour ça que je te pose la question. Bah écoute, non, pas particulièrement. Mais comme je vous disais tout à l'heure, là, le trajet Lille-Pau en Zoé, là pour le coup, ça a été stressant. mais non, là, enfin, je connais mes trajets, les différents, enfin, le type de trajet que je vais pouvoir faire, quand est-ce que j'utilisais la voiture, etc. Donc ça me fait pas peur particulièrement. Enfin, avec le réseau en plus de superchargeurs qu'il y a maintenant, qui est vachement, vachement étoffé, et puis qui va continuer. Non, ça me fait pas particulièrement peur. Moi, ouais, c'est ce qui te rassure chez Tesla. Entre autres, je suppose le fait qu'il y a un réseau super. Ouais, fort, voilà, ouais. Puis voilà, ouais, qu'on puisse se brancher, partout. Il y a pas que, bon, les Tesla sont quand même restent quand même au-dessus. Mais bon, les Ionity, les Total, tout le réseau qu'il y a là ici sur Toulouse, qui est quand même pas mal maintenant. Donc il y a pas mal de possibilités quand même pour se charger et éviter justement ce stress de la panne. Et alors, on n'a pas un anxieux, tu vois? Non. Ça. Et toi, alors, tu l'étais un peu au début. Bah grave. Bah oui, mais moi je connaissais pas du tout et j'avais pas fait Lille-Pau en Zoé, moi. Non, mais moi,
Moi, je ferai jamais Lille Pau en Zoé. Hein. Alors, c'est pas. Mais il y a eu là, faut... a 5, 6 arrêts. Combien? 5 ou 6. Mais vous avez mis combien de temps au final? On a mis. On est parti à 16h de Lille. On est arrivé à Pau le lendemain à 10h. Bon, du coup. Pardon. Non, mais ça valait le coup parce que c'était une super affaire pour la Zoé, il faut le dire. Oui, hein. C'était pas que pour le plaisir de conduire une Zoé pendant 24 heures ou presque. Hein. Mais malgré tout, c'est agréable. La Zoé est sympa, ouais. C'est pas hyper confortable, mais pour faire l'autoroute, c'est très bien. Enfin, pour faire l'autoroute. Sur des, allez, sur des Pau Orthez, peut-être. Plus loin, après, il faut prévoir. Mais... Après, clairement, c'est pas une routière, la Zoé. Non, donc voilà. C'est... Bon, alors, c'est... Thomas nous parlait, on lui a posé la question pour savoir au niveau de ses charges quotidiennes. Parce qu'il y a le stress de la panne quand on voyage. Mais la solution quotidienne, du coup, alors dis-nous, Thomas. Étant en appartement, bon, j'ai pas aujourd'hui de prise à mon domicile. Donc, je chargerai au travail, globalement, puisque j'habite quasiment à côté. Donc, les jours où j'ai pas besoin de charger, je vais à pied. Quand j'ai besoin de charger, je vais au boulot avec la voiture. Et je peux me brancher. Hein, on a des chargeurs, je crois que c'est du 11 kW qu'il y a au boulot ou du 22. Et aussi des prises green-up. Et donc il y en a suffisamment en général, il y en a toujours au moins une ou deux de libres tous les jours. Donc pour être d'accord, quotidien, tu vas rouler gratuit en plus. Oui. Pratiquement tout le temps, à part quand tu fais des gros trajets, mais voilà. Oui, c'est ça. Je me suis dit au niveau global, j'ai un peu fait les calculs et je me suis dit par mois, si on regarde au niveau mensuel, j'en aurais pour entre 10 et 20 euros d'électricité pour la voiture. C'est phénoménal. Super. T'as comparé par rapport à ce que tu dépensais en essence? Divise par 5, à peu près. Voilà. C'est l'intérêt de l'électrique. Hein. Si t'as possibilité de faire des recharges gratuites, mais même à la maison, à la limite, tu charges à la maison, dans tous les cas, t'es gagnant. Alors, tu nous as dit qu'il y avait des bornes en 22 kW à ton travail. T'es au courant que de toute façon, avec celle-ci, tu ne chargeras qu'à 11? Oui. Non, ça va. T'es au courant. Et oui, parce qu'à chaque fois on se dit, on va prendre une grosse borne à la maison, un truc qui balance, là, une 22, de toute façon, elle prendra que 11. Hein. À part en courant continu, donc sur la prise combo SACC. 11 kW à cause du chargeur intégré pour... Exactement. Voilà. Donc ça, c'est cool. Mais en 11, c'est déjà très bien. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai une 11 au bureau. Et effectivement, je mets du... En 20-80, je mets quoi? Tu peux mettre 4h30, 5h au maxi. Pour du 20-80, hein, pour 20% 80%, c'est toujours comme ça. Quoi. Oui. Hop, deuxième camion de la matinée, ça envoie à plaisance. Aujourd'hui, il y a de la livraison. Hein. Et du coup, il faut compter, on va dire, une demi-journée, en fait, 3h30. C'est-à-dire que moi, j'arrive à 8h30, je repars à midi avec une voiture à 80%. Quoi. Donc, c'est franchement, pour le quotidien, ça suffit largement. Tu profites du soleil pour refaire un check? Ouais, parce que là on voit vraiment très 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 bien. Et effectivement, Thomas a remarqué tout à l'heure qu'on avait ici des petites micro-rayures au niveau de là et là. Mais comme Thomas nous a dit qu'il avait déjà pris rendez-vous pour sa céramique, du coup il va pas le déclarer maintenant quoi. Donc on arrive à la fin de la livraison de cette modèle 3. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thomas? Satisfait, très satisfait. Je l'attendais en ayant vu pas mal de vidéos à ce type de livraison. Après, le fait que vous m'ayez accompagné, ça rassure quand même pas mal. Avec plaisir. D'avoir des petits tips comme ça, c'est super cool. Puis maintenant, de rouler avec et d'en profiter. Il va bien s'amuser. Apparemment, il a un peu de route à faire cet après-midi. Je pense qu'il va bien apprécier. Ouais, du coup, si on doit faire une conclusion, il n'y a pas de défaut particulier. Non, on n'a rien. Niveau on a finition, rien on se trouvait que c'était plutôt bien. Ouais. Petit big up encore à la concession de Tesla à Toulouse, qui est vraiment super sympa. J'en dirai pas plus, mais vous pouvez venir. Et le seul petit bémol, mais qui n'est pas lié à ta Tesla à toi, c'est le fait que tu sois obligé d'avoir un rendez-vous dans quelques mois pour la charge à induction. Et les ports USB, ouais. Sinon, pour le reste, c'est du 100%, on va dire. Pas de défaut, super. Ouais, très bien. Elle donc est super. Ne vous inquiétez pas sur les livraisons de vos Tesla Model 3, elles sont de bonne qualité, il n'y a pas d'énormes défauts rédhibitoires. En tout cas, dans toutes celles auxquelles on a pu assister, c'était toujours très bien. C'est clair. Merci Thomas. Merci d'avoir accepté de tourner dans la vidéo. On a été ravis de t'accompagner. J'espère que la vidéo vous a plu, on a été ravis d'accompagner Thomas. C'était vraiment une super livraison avec Camille en mode vérification et explication.
T'as vraiment été au fond du truc, on toi. On fait comme on peut, mais c'est toujours chouette de pouvoir accompagner quelqu'un. Ouais, puis ça fait toujours plaisir, on passe toujours des bons moments, finalement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Si vous avez des questions ou des coms, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche qui va bien. On a été encore une fois heureux de faire cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.